à 12 000 pouces bleus. Je me déguise en Léon dans une prochaine vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve plus au Brawl Stars aujourd'hui, ça va être sympathique, vous allez voir Lion contre Tigran, non ça se dit pas Tigran, Léon contre Tigre, c'est le primo et le bull, et il y aura l'histoire après qui va avec, donc les tests puis l'histoire en deux parties, vous allez voir c'est super, code créateur BFA dans la boutique avant de commencer, comme ça ça me met bien, comme ça ça se met bien, comme ça on achète des choses, comme ça on fait clac, voilà c'est parti, on s'abonne à la chaîne bien sûr, l'auteur en description, sa chaîne est là, et on est parti, enfin les auteurs parce qu'il y a deux parties, c'est deux trucs différents, on est parti, allez, qui est l'heureux élu, et c'est El Tigro contre El Lion. Non bah il s'appelle pas, il s'appelle comment? Bull Lion, non? Je pense sans mal, ouais. Allez, en vrai c'est un test sympathique. Malgré l'ambiance savane, enfin en plus de l'ambiance, enfin au-delà de l'ambiance salade, j'ai envie de... salade. Savane, j'ai envie de vous le dire. Ça permet de savoir un petit peu qui est bien au niveau de ces tanks là. Alors attendez, pour l'instant Bull est en train de mettre deux claques sur des attaques basiques, on va se concentrer, il y a le super maintenant qui passe, le super de Primo me paraît plus intéressant, Primo qui a 9k HP en plus, oh, et le corps à corps qui passe pas juste, ah ouais, parce qu'il y a le bouclier derrière, avec le Star Power en dessous des 40% qui le protège, donc ça joue le défonçage d'une boîte, là logiquement c'est le Bull, hein. Encore, normalement je pense que Bull il va se mettre bien en vrai, hein. Regardez là ce qui vient. Ah ouais, 85%, ouais, là c'est logique. Le 100% corps à corps, c'est quand même Bull qui est au-dessus. Après, Primo peut faire des dégâts plus de masse, normalement. On verra peut-être sur des tests de boîte, voir ce que ça donne. Pour l'instant, là, il se fait un peu... Voilà. Là, voilà, vous avez vu, là, il peut prendre 3 d'un coup. 4540. Là, il va prendre qu'un seul. Hein. Bah ouais, c'est 2800, c'est pas fou, hein. Bah, par rapport à ça, voilà. Mais bon. Donc du coup, pour du survivant solo, par exemple, si on doit déboîter des boîtes, oh, ben c'est beau ça, 12 000, vaut mieux prendre le petit Primo quand même. Mais c'est pas ça qui fait toute la game, on est d'accord, on est d'accord. 11 200, c'est pas dégueu, hein. C'est franchement pas dégueu avec ce petit super là. La distance, non l'angle, ah c'est l'angle. Bon l'angle... Ouais. Ouais mais bon en même temps il fait pas très mal quand il est loin alors que Primo lui fait la même quantité de dégâts donc c'est vrai que c'est... Ouais, il faut lui prendre aussi par rapport au dosage qui reste sur la fin de l'angle. Ah, là aussi. Bon ça fait des petits points supplémentaires. Ça creuse l'écart. Ici il est mieux par contre Primo c'est un point gratuit. Bon là la zone de... Ouais bon. Bah, l'autre il est en zone horizontale, l'autre il est en zone... plutôt large en largeur plus qu'en hauteur. La vitesse, on est 6-22 tous les deux, c'est nickel chrome, c'est l'égalité. La vitesse ici intéressant, le boule qui a une... ouais qui... ah non c'est Primo qui passe en premier, hein. Bah ouais clairement, hein, je l'ai vu intéressant. Ah parce que ouais parce qu'il avait peut-être le star power de la vitesse sur son ulti qui a dû faire la diff. Clairement, parce que sinon sur l'ulti de base, il est les plus loin. Ah, ça c'est pas mal, le tir aussi plus rapide, ça c'est important, c'est une stat importante. Ouais, bon. Ça peut jouer. Ça peut être une stat intéressante aussi également. Les 9000 ici, ça c'est important, grave. Donc on a un point bien mérité, ça se resserre un peu quand même. Hein. La résistance ici maintenant, bah les 9k normalement... Alors, ça dépend, parce qu'il y a le bouclier qui va se déclencher peut-être, non. Voilà, bouclier qui se déclenche, intéressant, voilà. Et en plus, il a rajouté un petit gadget supplémentaire, mais j'ai l'impression que même sur le gadget, de toute façon, il passait, hein. Passait devant. La boîte, une unique boîte. 2,58, c'est pas dégueu, mais je passe. Ouais, il va le 3 shot, lui, non. Il va 3 shot la boîte, hein. Ouais, donc du coup, beaucoup plus rapide, ouais, forcément. C'est intéressant quand même avec Bull. Là par contre Primo, voilà, j'en parlais avant, ça devrait faire une diff ici. Il devrait être au-dessus. Voilà, 3 secondes c'est vraiment rien, c'est bien. Hein. Très propre. Même sans survivant candidat de solo, il a tiré un coup avant. Donc il fait plaisir ou quoi? Ah parce qu'il a effet de rage, il veut garder son effet de rage. Ah ouais mais bon malgré tout. Malgré tout, voilà, 14 secondes. Donc ça c'est voilà. Un bon point pour Primo. Les dégâts multiples. Bah, ils étaient des... Ouais, mais il a fait encore pire.
Bah là, il va être en galère. Hein. J'aime bien, il tape encore. Alors, avec un petit ulti quand même. Qui a pu rajouter, mais il va quand même rester dans les 12 secondes, je pense. 12-0-1, quelle précision, Bibi. Oh là là. Très bon. Oh, le petit pushback. Et en face. Pareil, le pushback. Voilà. Ah, il la décale aussi, genre. Ah, attendez, c'est quoi la deuxième stat en fait? Je suis pas sûr de savoir là, les trois petites plages vers le bas, c'était quoi? Cassage de mur. Ah, peut-être dégâts en plus, non? Ou passage derrière? Attendez. Passage de... Cassage de mur, passage derrière, ouais. Tout ça, je sais pas, faut voir. Je sais pas. Je sais pas, j'ai un doute, c'est ses logos à lui en plus. Les troupes multiples. Bah ça ressemble un peu au box en vrai. Ouais. Ça ressemble un peu au test des box, sauf c'est pas des box quoi. Voilà, là il est vraiment en galère. Ah, et il fait des choses bien dans l'ordre en plus hein. Il a vraiment non. Très bon esprit, bien joué. C'est fait intelligemment. Avec le super. Avec le fire derrière. Donc là c'est. Bon ça change le star power quand ça arrange bien sûr. Mais bon, c'est normal, c'est normal. C'est parti des. Voilà, si on fait pour les deux, y a pas de soucis. Là ici. Je sais même pas s'il pourrait gagner un peu avec le gadget qui s'arrête avant. Non, c'est pas dit. 12-0-1, bon. En vrai. C'est pas dégueulasse pour un brawler qui fait pas des dégâts multiples quoi. Des dégâts de zone plutôt. La recharge, ça c'est important aussi. Il me semble que Primo il est bien. Hein. Là il est au-dessus, hein. Ouais, grave au-dessus. Hein. Ah il est grave au-dessus, ça c'est hyper important aussi. Ah, c'est carrément presque deux fois plus rapide. Hein. C'est pas une petite stat ça. Hein. Ah, il est pas mal notre Primo en vrai. Hein. Bon il a eu ses heures de gloire. Hein. Après voilà, il a un problème de range. Bon c'est un Primo, c'est un temps quoi. Ouais. Du coup c'est vrai que c'est un peu... Quand t'es super sur... Quand t'es 100% tank, faut vraiment que tu mettes les meilleurs dégâts encore à corps le plus rapidement possible. Et là c'est vrai que Bull là-dessus, c'est quand même lui hein, le... qui est au-dessus. Hein. Lui hein. Ah ouais, faut voir ça avec un adversaire les potes. Hein. Mais bon, pour l'instant le combat est serré. L'auto-charge de. Bah normalement l'auto-charge. Il a fait combien là? Un quart. C'est avec les dégâts, non? Là il a pris. Non, il a pris un peu plus, ouais. Ouais. C'est... C'est-à-dire qu'au final, Bull cherche quand même plus vite son ulti. Après, l'ulti de Bull, c'est pas aussi sympathique que celui de Primo, quand même. C'est moins polyvalent. Décharge complète, 2-0-6. C'est rapide, ça. C'est celui qui passe toujours, je pense. Ah non, 1-14. Ah parce que c'est décharge, ça veut dire que ouais, les tirs, il y a plus de latence sur Primo alors. Oh c'est bizarre. Ah c'est comme ça. Ici les dégâts, 90%, pas dégueu. Les 9K qui protègent, là il y a 7K5, donc normalement il va pas passer. Hein. Mais, ah, mais il y a plus de dégâts donc... ouais, mais il fallait qu'il soit plus près parce que ses dégâts de loin n'étaient pas suffisants. À mi-distance. Là aussi Primo devrait être au-dessus. Ah quoique non, remarque Bull il va faire un bon ulti. S'il prend pas trop de dégâts, peut-être qu'il va compenser avec un... Ouais, non, 3 shots, plus le temps de recharge. Non, je pense que Primo, il passe au-dessus, là. Ouais. Voilà, il a pas eu le temps de refaire un coup. Il a fait ses 3 coups, en fait, il a pas eu le temps de faire un quatrième. La défense ici. Comment il est? Ouais, non, en vrai, ça va être Primo encore. Hein. Magnifique, hein. 19-11, c'est très beau, hein. 19-11, c'est très beau. Je pense pas qu'il fasse mieux que 19-11. Hein. Ah, il s'est mis en mode enragé. Il est pas enragé là. Ah, si, il est enragé là. Ah, je crois qu'il va faire un truc énorme. Hein. Oh là là. 15-36. Respect. Hein. C'est vrai que je le vois pas venir avec son effet de rage. Parce que, en même temps, il a eu beaucoup de. Ouais. Ça, il a pas misé sur la def, il a misé sur l'attaque, quoi. Ouais, c'est bien joué. Là il va pas faire plus donc du coup il a perdu hein. Ah bah c'est perdu hein, c'est clair, il va lui mettre un 18. Ah, là c'est plié les potes hein. Là c'est plié. Bah ouais, fait de rage machin, il lui refait la même en fait, même pas besoin de faire plus non.
Il va lui faire un coup d'ulti ou pas? Ouais, il a fait un petit, mais je sais pas si ça a un intérêt. 15-31, je n'ai pas fait mieux en vrai, non? C'est pareil, non? Ok, victoire, resultados, el primo. En vrai, ça a du sens, hein. Malgré que les tests, il y en a certains qui sont pas forcément... Enfin, dans la pratique, pas forcément utile de dire je suis supérieur sur ce test-là, mais quand même. Voilà, très bien. Du coup, déblocage de Lion Bull. Et maintenant, c'est parti pour l'histoire Mad in Cosmic Shock. Bon, c'était une histoire où, d'un côté de la jungle, il y avait un lion boule et ses deux amis, les Korbak. Et de l'autre côté, Tigro et Dejin. Et ils s'aimaient pas, hein. En vrai, dans la savane... C'est pour ça que cette histoire, elle est bien. En vrai, dans la savane, les tigres et les lions, ils s'entendent pas ou... Mais en fait, y a pas de tigre dans la savane. Non, c'est dans la jungle, non? C'est ça le truc. Je crois que le truc, c'est que... Dites-moi, je suis pas un expert en animaux, mais... El Tigro Go... Allez me chercher de la bouffe, les potes. Ah, les djinns, j'adore. Ils sont toujours dans les histoires, hein. Qu'est-ce qu'ils vont lui choper? Ils vont pas manger du cactus. Ah, un bout de fromage. Et les bonbons de l'autre. Tiens, des bonbons et du fromage. Qui pue? Du fromage toxique. Il ramène les deux box, genre. Ah, il est bon, Steamboat, je l'ai. Ah, bien foutu, allez. Ça y est. C'est mis bien. Ça mérite un like, j'avoue. Jusque là, la story, elle est nickel. Voilà, ils sont contents. Ah, le mec, il est animé, ton icône? J'avais pas fait gaffe, moi. Faut que je revoie la mise à jour, c'est qu'elle m'a animé mon El Tigro. Du coup, embrouille. Attendez, je coupe les notifs quand même, c'est pas agréable, hein, pour une vidéo. Le petit... Eh bien, un cœur de boule. Comment... Ah oui, pardon, c'est vrai, je suis bête. C'est vrai, pour moi, c'est carrément notre brawler, le tigre. Enfin, le lion, tellement qu'il est bien fait, j'ai l'impression que c'est un brawler. Ramène-moi de la bouffe. À lui aussi, purée. Ça m'a choqué de voir Boule en émote alors que c'est un lion. Mais voilà, comme quoi, on reconnaît plus Boule du tout avec ce skin. Ah ouais, sneaky, hein. Tel deux cafards. Oh, les deux poulets. Qui vont s'abreuver. Magnifique. Les deux petits poulets. C'est encore mieux que le coup des Dina avec les... Ouah, ça y est, hop, voilà. Ah bah le poulet. Le shoot dans le vent, j'adore. Magnifique. Il est content. Ah, il leur donne des petites récompenses. Ah, il est sympathique, hein. Bon. Et c'est arrivé comme ça tous les jours. Sauf qu'un beau jour, un bon jour, il va y avoir un bruit. Voilà, comme à l'époque. Oh, kidnapping? Ah, kidnapping, là. Ah, quand un djinn, il sent son truc, c'est kidnapping, direct. Oh, prisonnier. Ah, voilà. Allez, ils sont contents. Ah, ils ont pris mon frère. Non! C'est Smile. Allez, le roi de la jungle, là. C'est qui le patron? Montre-le. Tigreback, qui est en PLS. Eh, vas-y, rends le frérot, sinon tu vas payer cher. Non, rien du tout, on te rend rien. Wow, ça y est, ça fight. Wow. Oh là. Ah, il y a des tensions, là. Ah, ils étaient 3 contre 2, du coup, ils sont barrés. Bah ouais, la fériorité numérique, quand même. Pendant la nuit. Elle est bien faite, la nuit, hein. Cassage de mur. Petit ulti, ça passe crème. Allez hop, on revient à la maison. On ramène le bro. Allez, dans le palais. Il est BG le palais un peu, non? La petite prison à côté, le machin. C'est pas mal. Le prochain jour. Non, il est où le gars? C'est votre faute. Vous avez pas donné de bouffe pendant 2 jours? Quel rapport? Ok. Il a la dalle maintenant.
Ah non, vous êtes privé de bouffe en deux jours, ça je lui ai dit. Attends, je sais pas, je réfléchis à ce que j'ai dit avant. Là, ça va se passer comment là? Oh, le jean? Oh, le jean peut-être? Pris en capture? Ouais. Voilà, allez hop, prisonnier. Ah vraiment, c'est les mêmes en fait. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre en fait, entre le roi lion et le roi tigre. Voilà. Ils ont pris le frérot. Ouais, c'est ta faute. Je vais pas t'aider. Ah ouais, lui c'est pas le... Lui c'est pas, par contre, il est pas aussi cool que le lion lui. Là, il laisse en paix. Vas-y, pleure. T'es qu'un gros nul. Ton frère il va crever after some time, après quelques temps. Une Rosa arriva. Oh waouh, waouh, elle a tué, elle a tué les waouh. Ah ouais, c'est chaud là. Ah, l'autre, le petit jean, il est bien là, dans sa prison. Ok, I'm giving to you. Elle va lui, ah, elle veut le... Ah, c'est un envoyé du... Bah ouais. C'est un agent secret de Tigrou. Ah ouais, là, il est pas bien, là. Wow. Ah, l'embrouille. Il est vénère. Le monstre que tu as envoyé a tué mon frère, mes frères. Mais non, j'ai envoyé personne. Je raccourcis un peu les phrases, hein, je vous le cache pas. Elle a aussi pris le jean avec elle. Bah, c'était pas celui-là? C'est un nouveau? Non, bah, c'est celui-là. Bah, s'il est revenu là, qu'est-ce que tu racontes comme bobard? Ah, voilà, elle est là. She's the one. Ça, c'est elle, c'est elle. Where is my brother? Ah, pardon, c'est vrai, ils étaient deux, j'ai oublié. Mais elle a pas ramené le frérot. Elle a tué l'autre, en fait, c'est une traîtresse. Non, ils ont... elle veut de la bouffe, elle pense qu'à bouffer, en fait, la Rosa. Je veux de la thune, en fait, elle veut des box. You can take... Vas-y, prends ce que tu veux, lui a dit. Ça y est, ça se rend. Après, ils ont peur, une Rosa à 13... Ouais, bah maintenant, 13 box, ça commence à être vénère. Hein. Vous l'avez laissé s'engraisser, voilà. Vous êtes dans la sauce. Allez, elle a presque 15k HP. Je vais venir chaque jour, et si vous ne donnez pas de la bouffe, c'est vous que je vais bouffer. Ça, c'est du scénario, ça. Ça, c'est du texte, les potes. C'est ça qu'on veut voir. Non. Ah, mais ils sont vénères, ils tuent la savane. Ah, ils cherchent la bouffe, en fait. Ils cherchent la bouffe pour Rosa. Oh là là. Oh là là. Vous avez tué tous les bambis de la forêt. Voilà. Ouais, ouais, bah ouais. Galère. Voilà, ils sont reconstitués les box. Allez, elle a maigré un peu depuis, hein. Elle est plus à 13. Drapeau blanc. Vas-y, tout est à toi. Prends et laisse tout tranquille. La vie est devenue infecte. Ah là là. Drapeau blanc. Il est bon, ce mode. Ça me donne envie de le mettre, je vous jure, hein, il me donne envie de mettre les trucs. Ça m'ambiance. Bon, ok, ça a duré un certain temps. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous, je sais pas, là, je sens qu'il va se... Encore la bouffe, ok, encore la bouffe. Ouais, 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 c'est bon, ça, on a compris, hein. Vas-y, accouche, l'embrouille. Alors, if we fight together... Ah, bah voilà, l'idée de Jenny, mais battons-nous ensemble, voyons. Allez, on a toujours été des frères ennemis. Bah non. Ah, il flippe, hein. Ah, il y a de la flippance, là. Il y a de la flippance. Oh. Jump pad. Une idée de génie. Oh. Oh, ça construit un petit piège. J'aime bien, j'aime bien. Il va se passer un truc. Lion pull the train. Ok. Vas-y. Là, le piège est prêt. Est prêt. Oh, il a mis un slow. Oh. Oh là là, c'est beau, la passe. Oh là, oh, magnifique. Il a fait... C'est bien joué, ça. Et voilà. Elle va mourir, tranquille. Voilà.
Oh, il est pas un tireur doux, ceux-là. Affaire des Vénénois, hein. Et ils sont venus comme ça, voilà, on sait pas comment, mais dit en gros, après qu'elle soit morte, tout bien. Voilà, et maintenant tout le monde est heureux. Et voilà, et c'était l'histoire incroyable du boulien, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine, ciao ciao.